Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence écho en partenariat avec CapScience et la librairie Mola à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, bonjour et merci d'être venu nous retrouver à Bordeaux pour cet échange. Vous êtes médecin, neuropsychiatre, psychanalyste, vous êtes scientifique, mais ce qui, moi, en tant que directeur de la Centre de Sciences, me séduit encore plus, vous êtes un infatigable vulgarisateur. Vous avez publié de nombreux ouvrages, quelques-uns parmi les plus connus, Un merveilleux malheur, Les vilains petits canards, plus récemment Sauve-toi, La vie d'appel. Et là, on va parler de votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob, qui s'appelle Des âmes et des saisons. Dans cet ouvrage de réflexion très riche et passionnant, vous explorez les liens forts entre nos êtres et notre écologie, écologie que vous entendez au sens très large, en fait, des milieux qui ont un impact sur nous. Et on y reviendra pour que vous puissiez nous expliquer. Et ça va depuis le temps qui fait jusqu'aux imaginaires qui nous construisent. Donc il y a un sous-titre dans votre livre qui est « Psychoécologie ». Alors, de quoi s'agit-il ? Une nouvelle discipline ? Une méthode d'analyse ? Voilà. Non, c'est un mode de réflexion. C'est pas moi qui ai inventé ce mot, c'est Bronfenbrenner qui était un psychiatre et qui a proposé il y a 30 ans de réfléchir en termes de psychoécologie. Parce que quand on réfléchissait en termes de « une cause provoque un effet », on obtenait des résultats baroques. Quelle est la cause de la schizophrénie ? Alors c'était un mauvais geste de la mère, c'était une molécule, c'était ce que vous aviez envie de trouver, quoi. Et donc le Bronfenbrenner, j'ai repris son idée en disant « en fait, nous on est pénétré par les milieux ». La notion d'individu est une illusion occidentale. J'ai travaillé au Japon, en Chine, et on nous disait, mais la notion d'individu, il faut vraiment être occidental pour avoir cette notion. On est constamment pénétré par le milieu. Et la neurobiologie et les neurosciences aujourd'hui confirment que c'est les Asiatiques qui ont raison, c'est-à-dire que notre premier milieu, c'est le ventre de notre mère. Nous, on dit que le psychisme commence le jour de la naissance, alors que les Chinois fêtent le premier anniversaire le jour de la naissance. Et c'est bien vu, parce qu'en fait, le bébé, il a déjà un an d'expérience. Mais au début, c'est une expérience cellulaire. Puis ensuite, c'est une expérience fœtale. Puis ensuite, c'est d'embryon. Puis ensuite, c'est une expérience de bébé, fœtus. Et puis ensuite, il arrive au monde, et là, il passe dans sa deuxième écologie, au sens de habitat. Le deuxième premier habitat, c'est l'utérus. Le deuxième habitat, c'est le bras des mères, où le père est beaucoup plus important et beaucoup plus précoce que ce qu'on croyait jusqu'à maintenant. Et puis le troisième habitat, c'est le monde de la verbalité, des récits, des imaginaires, des artistes, qui nous façonnent en retour. Parce que c'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoque un effet, l'aggrave ou l'améliore. C'est ce que vous appelez la structure en pelure d'oignon. En fait, on est au milieu de différents niveaux d'une écologie avec au plus près du corps, je vous cite, hein, à distance moyenne, ça c'est les autres, et au plus loin du corps, donc les récits et l'écologie verbale. C'est bien ça, ces trois niveaux qui en fait structurent derrière à différents moments de notre vie. Et on va le voir aussi dans notre histoire, c'est intéressant parce que vous revenez aussi dans le passé de Monsieur Sapiens, comme vous l'appelez, quoi, qui a vécu dans différents milieux et qui s'est adapté et comporté différemment en fonction des milieux. Mais je reviens sur ce que vous avez commencé à évoquer, c'est à un moment vous dites qu'on est dans une pensée binaire paresseuse. Cette idée de se dire en fait on est tout rouge, tout blanc, une cause, une conséquence, fait que c'est ça qui nous empêche de voir ces interactions complexes. Voilà, c'est ça, exactement. La pensée binaire, on peut appeler ça pensée dualiste aussi. Donc j'ai essayé de lire un peu Descartes et j'ai eu du mal à comprendre. Descartes, lui, il nuance un petit peu, mais quand c'est rentré dans la culture, c'est sans nuance. Le corps d'un côté, dont on peut faire un objet mesurable, manipulable, donc un objet de science, et l'âme de l'autre, sans substance et sans étendue, c'est-à-dire on ne peut pas en faire une analyse scientifique. Or, je suis psychiatre, et surtout maintenant avec le développement des neurosciences et de la psychologie, on en fait une analyse scientifique. Donc cette pensée paresseuse, le corps ou l'âme, ça ne nous convient plus. Or, quand j'ai fait mes études, au siècle dernier, on nous demandait de choisir. Le psychisme s'explique par la molécule. Ah bon ? Pas du tout. Le psychisme s'explique par la parole. Et on était arrivé à cette pensée stupide, clivée,
ou dualiste ou binaire, comme j'emploie l'expression pensée binaire parce que c'est ce qu'on dit des enfants. Tout ce qui n'est pas grand et petit, tout ce qui n'est pas gros et maigre, tout ce qui n'est pas homme et femme, voilà. Hop, c'est la pensée facile. Et quand on est praticien, eh ben on se rend compte qu'on peut être plus ou moins gros, plus ou moins grand, plus ou moins homme, plus ou moins femme, et que c'est pas aussi simple que ça. Mais en revanche, ça s'éclaire quand on s'entraîne à raisonner en termes d'habitat, en termes d'écologie. Eh bien, on va commencer là-dessus, parce que pour comprendre... vous amorcez, on va prendre plusieurs exemples de ces influences de milieu. Vous commencez par une corrélation qui est très explicite. On se demande au début, ce qu'on ne comprend pas, en tout cas moi j'étais pas spécialiste de psychoécologie, je ne comprenais pas où vous vouliez aller, c'est quand l'exemple est allé au bout que j'ai compris, c'était la corrélation et la dépendance entre violence et altitude. Sur lequel vous allez sur ces terrains-là et vous expliquez que la hauteur d'habitat a un impact direct sur la valorisation ou pas de la violence dans les sociétés. Et oui, alors ça surprend un peu, mais j'ai eu la chance de travailler avec les géographes, les agriculteurs, c'est eux qui ont inventé le mot résilience, hein, c'est pas les métallurgistes, et moi encore moins, c'est les agriculteurs qui ont inventé le mot résilience. Ils disent qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais pas comme avant. Si la vie reprend pas, il n'y a pas de résilience, le sol est perdu. Ce qu'on voit de plus en plus, si la vie reprend, c'est une autre faune et une autre flore. Or là, les géographes, les archéologues disent qu'il y a déjà eu 5 extinctions. On fait partie, vous et moi et tous les autres êtres humains, on fait partie des quelques 3-4% d'espèces vivantes depuis l'origine. Les autres ont été éliminées. Et on a survécu parce qu'on s'adapte à beaucoup de milieux différents. Et les géographes, Jean-François Dombremez, avait fait une étude magnifique qui sert de fable au début de mon livre. Un peuple tibétain, avant que le Tibet soit récupéré, ils étaient dans les vallées. Dans les vallées, il y a de l'eau partout, des fruits partout, il n'y a pas de danger, les animaux vaquent, les enfants en courent partout, il n'y a aucun danger. L'imaginaire des vallées, c'est la fête, combat de coq et les bals populaires. Et puis la mousson arrive, donc il faut quitter la vallée. Donc il faut monter sur les flancs. Et là, il fait froid, il faut engranger la nourriture, il faut surveiller les animaux. Là, les rituels apparaissent, l'autorité apparaît, alors que l'autorité est une répression sans sens, sans fonction, dans la plaine, sur les pentes, il faut commencer à être autoritaire. Et puis, il y a une autre partie du même peuple qui monte en haut du haut, comme disent les Tibétains. Et là, seuls les chèvres, les moutons, les yaks peuvent aller en haut du haut. Et là, la vie est difficile. Il y a des pentes. Il faut faire très froid la nuit. Il faut surveiller les animaux et les enfants, parce que si quelqu'un tombe, il meurt. L'imaginaire change. Il y a la brume. Il y a sûrement les panthères, il y a sûrement un yéti, l'imaginaire change et les rituels deviennent trop, très autoritaires parce qu'on est adapté. L'autorité est une adaptation au milieu difficile. Et puis le même peuple redescend et là, les rituels, l'autorité se dilue et hop, le même peuple arrive et là, l'autorité devient un autoritarisme stupide. Mais c'est pire que ça encore, c'est que quand les femmes sont enceintes en haut du haut, elle met au monde des bébés-filles qui sont réglées entre 20 et 22 ans. Elles redescendent, et quand elles arrivent dans la plaine, les mêmes femmes qui mettent au monde un autre bébé-fille sera réglée entre 12 et 14 ans. L'altitude nous sculpte, nous pénètre biologiquement, physiquement. On est beaucoup plus grand dans les vallées qu'en haut du haut. Et imaginairement, dans les vallées, on pense qu'à draguer et faire la fête. Et en haut du haut, on est heureux aussi. Mais on est heureux parce qu'on est plus fort que le malheur. On a trouvé les contes magiques qui permettent de contrôler le yéti. On a trouvé les danses qui permettent de chasser la panthère. On est fiers de nous parce qu'on a été plus fort que la mort. Et en bas, on est content, mais on a moins de raisons d'être fiers. Et vous avez parlé d'utiliser le mot de résilience, vous décrivez ça depuis longtemps hein, comme un processus d'adaptation, transformation. J'avais une question, vous nous avez aussi remis dans la longue histoire des espèces. En quoi ça se complète ou c'est différent d'une logique évolutionniste darwiniste
Quel est le rapport entre cette notion de résilience et le fait que c'est la même chose, ou est-ce que c'est corrélé? C'est totalement darwinien, c'est-à-dire c'est totalement évolutif. Mais comme vous l'avez dit, il y a deux formes d'évolution. Il y a l'adaptation momentanée, qui n'est pas forcément une résilience, et puis il y a l'adaptation transformation qui définit la résilience. Par exemple, une fleur, puisque c'est les agriculteurs qui ont inventé ce mot, qui ont proposé ce mot. Une fleur, quand la sécheresse arrive, elle se racornit un petit peu, elle se replie pour moins évaporer. Si l'humidité réapparaît, elle se redilate. La même fleur, si la sécheresse est chronique, elle se racornit, puis de graine en graine, elle se racornit de plus en plus, jusqu'au moment où les seules fleurs qui survivent dans un contexte, dans une écologie sèche, c'est les épineuses. Et c'est le fait qu'il n'y a brouté que des épineuses fait que les mammifères sont pas contents. Ça sert à rien d'avoir des canines quand il n'y a que des épineuses à manger. En revanche, les chèvres et les chameaux, qui ont des molaires carrés, peuvent broyer les épineuses sans se faire mal, et eux peuvent survivre. Donc on a un raisonnement totalement darwinien, c'est-à-dire qu'il y a une évolution sous l'effet des pressions du milieu. C'est pas rien, c'est un capital génétique. Quand on est dromadaire, on n'est pas yak. Quand on est, quand une femme est enceinte d'un spermatozoïde masculin qui rencontre un ovule féminin, ça donne un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame. Donc il y a un déterminant génétique. Mais ce déterminant génétique est constamment façonné par les pressions du milieu, dans l'utérus, dans les bras, dans la tête. Et alors ça, vous l'appliquez, ce raisonnement-là, à l'entité familiale. C'est la famille. Alors moi, j'étais passionné par ce retour en arrière aussi, parce que la famille nous semble toujours quelque chose d'immuable, ça a une forme donnée, voilà. Et vous revenez dans votre ouvrage sur comment la famille a évolué dans sa structure, sa fonction, depuis Monsieur Sapiens, qui est l'homme de Cro-Magnon. Voilà, dans sa fonction, vous êtes passé par les Romains, on parle de l'influence de la Révolution industrielle, et j'ai trouvé que c'était un formidable exemple de l'influence du milieu sur la structuration de qui nous sommes et comment ça nous sculpte à la fois dans nos corps, beaucoup, parce que vous en parlez aussi sur les différenciations physiques, mais aussi dans notre imaginaire. Est-ce que vous pourriez nous faire une espèce de généalogie de la famille au regard de la psychologie avec ses grandes phases? Eh bien, oui, vous avez dit la famille. C'est curieux de dire ça, parce que Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, avait recensé 5000 formes de famille différentes sur la Terre aujourd'hui, toutes traditionnelles. C'est-à-dire que... Mais la tradition n'était pas la même selon les cultures. Alors, à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, il y a 300 000 ans, alors quand j'ai commencé le manuscrit, j'avais écrit 200 000 ans. Et puis, il y a eu des découvertes entre-temps. L'ADN a dit non, c'est 300 000 ans. Donc, je corrigeais tout juste à temps. Monsieur et Madame Sapiens sont arrivés sur la planète il y a 300 000 ans. On vivait dans des groupes humains, avec le même cerveau qu'aujourd'hui, un cerveau humain, alors que Néandertal n'avait pas le même cerveau que nous. Mais Monsieur et Madame Sapiens ont un cerveau humain, et ils vivent dans des groupes de 30, 40, 50 personnes au maximum, donc tout le monde connaît tout le monde. On n'a pas besoin de faire de structure familiale, on n'a pas besoin de faire de loi, on sait pas très bien qui est le père, parce qu'il y avait probablement beaucoup d'accouplements, mais il n'y avait pas de couple. Puisque quand un enfant arrivait au monde, c'était l'enfant du groupe, comme on le voit encore dans les pays asiatiques, en Afrique et dans beaucoup de pays. L'Amazonie aussi, je crois qu'il résonne comme ça, l'attribue à des enfants. Voilà. Et tout le monde, et je l'ai vu, alors vous parlez de l'Amazonie, j'ai travaillé dans les favelas du Brésil, à Fortaleza, à Rio, les enfants, dans un premier temps, les enfants courent partout, tout le monde est père, tout le monde est mère. Et si un enfant se blesse, tout le monde s'occupe de lui. Si un enfant fait des bêtises, tout le monde le gronde, tout le monde est père, tout le monde est mère. À l'adolescence, ça se gâte parce qu'il n'y a pas de structure sociale qui leur permette de quitter la favela. Et là, ça se gâte. Mais la première enfance dans les favelas est délicieuse. Ils courent partout en totale sécurité et ils ne sortent jamais de limites imaginaires, comme je l'ai vu au Pérou. Ils sont en totale sécurité, mais il y a des frontières imaginaires. Là, on n'est plus en sécurité. Alors, Monsieur et Madame Sapiens n'avaient pas besoin de faire de loi,
n'avaient pas besoin de faire d'interdits puisqu'ils se connaissaient. Il y avait des rituels, sûrement. Il y avait des hiérarchies de la chasse, du partage de la viande, du partage de la nourriture, de l'aide aux blessés, des soins aux enfants. C'était des êtres humains. Mais M. Cro-Magnon, dont on a trouvé le squelette à Nice, il mesure 1m95, et Madame Cro-Magnon, dont on a trouvé le squelette à Menton, elle mesure 1m85. Madame Néandertal fait 1m50. Joséphine, la femme de Napoléon, elle mesure 1m45. Lui-même, l'empereur, il mesure 1m62. Or, ces petits bonshommes ont mis l'Europe à feu et à sang avec 1m60. Alors que les Romains, à l'époque où ils étaient en paix, étaient très grands. Et quand Rome a commencé à s'effondrer, les squelettes sont de plus en plus petits. Donc on voit à quel point biologiquement le milieu nous sculpte. Je parle de notre corps. Probablement vous allez me poser une question sur le cerveau tout à l'heure. Impossible. Mais notre corps est sculpté par le milieu. Et on voit, alors aujourd'hui, on voit que les filles de pauvres qui vivent dans des espaces, des logements petits, bruyants, elles s'adaptent à ce logement en se mettant dans un fauteuil face à la télé. Puis ensuite, elles vont à l'école, elles ne bougent pas. Elles sont toutes en hyperpoids, sauf que la graisse devient une glande endocrine qui sécrète de la leptine, qui donne de l'appétit. Et on voit maintenant que les femmes, des femmes de pauvres, deviennent de plus en plus obèses. Aux États-Unis, c'est stupéfiant. En Europe, ça l'est beaucoup moins. Mais ça l'est un peu en Europe. Mais aux États-Unis, c'est très impressionnant. Et on voit, alors que les filles de riches vivent dans des grands espaces, dans des grands logements, une chambre silencieuse, elles ont des rythmes de sommeil, elles vont à pied à l'école ou à la fac qui est pas loin. Elles ont le dimanche, elles vont faire leur petit jogging dans la maison secondaire, elles partent en vacances, elles bougent. Elles mangent mieux, elles mangent pas de nourriture industrielle, elles mangent de nourriture saine, elles sont grandes et diplômées. C'est-à-dire qu'on voit à quel point le milieu qu'on fabrique, c'est-à-dire notre civilisation, sculpte les corps aussi. Et tout ce processus, parce que je voudrais qu'on revienne sur la famille, parce qu'on s'est arrêté à Monsieur Sapiens. Tout d'un coup, on se sédentarise. Et vous parlez évidemment tous les impacts de la sédentarisation. Vous parlez que la notion de famille, par exemple, chez les Romains, les esclaves pouvaient faire partie de la famille, pouvaient intégrer des personnages extérieurs. Tout à fait. Qui devenaient partie intégrante de la famille, sans être du même sang, du coup. Tout à fait. Et les esclaves, le maître de famille, c'était un homme. Qui était le maître, et tous les gens qui habitaient dans la domus appartenaient à la même famille, au point que quand un esclave travaillait bien, le maître de maison faisait son légataire, il lui donnait ses biens. C'était son vrai fils. Il considérait que l'autre fils était le fils d'un produit biologique. Ce n'était pas très intéressant. Alors que celui-là, il était le fils de mon estime. C'est beaucoup mieux. C'était plus noble. L'enfant adopté chez les Romains était plus noble que l'enfant né d'une éjaculation, quand même, quoi. C'est quand même beaucoup... choisi. Beaucoup moins. Beaucoup plus choisi. Et alors, quand l'industrie est apparue, avec le néolithique, il y a 10 000 ans, là, les rôles sociaux et sexuels ont commencé à se façonner. Et là, les couples avaient une fonction adaptative. C'est que, ou même quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de caisse de retraite, il n'y avait pas de sécurité sociale. La seule protection, la seule solidarité, c'était le couple. Quand l'un était malade, il comptait sur l'autre. Donc les hommes, avant-guerre, travaillaient énormément. J'ai été médecin à la Seine, il y a un chantier naval. J'ai pas connu l'époque où les hommes à Gardanne travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine, par 45-50 degrés au fond. C'était un effort physique inouï. D'ailleurs, j'en ai suivi beaucoup qui mouraient de silicose entre 45 à 50 ans. Mais ils étaient héroïsés. Donc, ils descendaient à la mine très fiers et puis ils mouraient après une vie de torture. Et quand l'industrie s'est développée au 19e siècle, un ouvrier sur trois était une femme. Et ça a été probablement le début de l'émancipation féminine parce que
les femmes ont commencé à échapper à la loi du père, à la loi du prêtre et à la loi de la marieuse. Elles avaient leur petit logement, elles avaient leur salaire. Je veux bien dormir dans le lit de celui-là, mais pas de celui-là. Aïe, aïe, aïe. Ça avait commencé d'ailleurs à la Révolution, puisqu'on autorisait le mariage entre deux personnes, c'est-à-dire sans l'aval de toute la, tout à fait. Tout milieu avant. Ça nous amène à quelque chose qui moi, m'a passionné, c'est ce que vous appelez le destin des sexes, où il y a, en fonction des milieux qu'on a nous-mêmes générés, des civilisations, hein, qui génèrent, on avait cet homme héroïsé qui était souvent à l'extérieur, avec une femme garante des... ministère des Affaires intérieures, puis petit à petit une femme qui prend une place, une liberté, un droit, le droit de se marier à peu près avec qui elle veut, il y a beaucoup de pression sociale, mais le choix de se marier avec qui elle veut, le choix de divorcer, le choix de commencer à travailler, on a tous en tête la rupture de la Première Guerre mondiale dans laquelle elles ont supplanté les hommes qui étaient partis faire les héros. Vraiment pour le coup... qui avait été envoyé faire les héros. Qui avait été envoyé faire les héros. Oui. ouais. C'est peut-être pas forcément parti comme ça, mais en tout cas, il jouait ce rôle héroïque très lointain et elle avait pris les positions qu'il prenait. Et vous allez encore plus loin parce que ça se corrèle maintenant à une évolution biologique des femmes dans justement leur l'âge de leur première règle versus la puberté des hommes qui recule, entraînant un décalage d'évolution. Enfin, j'ai trouvé cette partie absolument passionnante. Dans lequel vous montrez une trajectoire féminine qui s'autonomise et prend un pouvoir qu'elle n'avait jamais eu, et du coup, avec un homme qui, du coup, s'interroge en tant qu'homme sur ce qu'il est et sur même son rôle dans la famille, dans une des 5000 formes de famille qui sont en train d'évoluer. Alors, à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, on peut imaginer que, comme on était 30 ou 40, on peut imaginer que la famille, le couple n'avait pas de sens. L'accouplement avait un sens, mais pas le couple. Il n'avait pas l'effet de protection qui est apparu avec l'industrie, surtout, et surtout avec la transmission des biens. Les aristocrates avaient besoin de savoir de qui était qui et de qui il venait pour transmettre le château, les terres, les biens, les bijoux, etc., qui étaient raquettés sur le peuple. Il y a eu 1000 ans de raquettes. L'aristocratie, les merveilles des châteaux qu'on constate, c'est le résultat de 1000 ans de raquettes. C'est-à-dire Versailles, qui est une merveille, il y a 30 000 ouvriers sont morts pour construire Versailles avec l'argent du peuple qui ne retournait pas au peuple. Alors, bon, ben, on a fonctionné comme ça, c'est-à-dire sur des rapports de domination. La domination a organisé la société. Les femmes l'ont payé, bien sûr, d'une entrave très importante, mais la domination des hommes, c'était pas une bonne affaire, hein, parce que vous avez parlé de la guerre de 14-18. Être héroïsé pendant la guerre de 14-18, c'était des gamins qui n'avaient pas le droit de vote pour la plupart. On avait le droit de vote à 21 ans à cette époque-là. C'était des gamins de 17 à 25 ans qui étaient envoyés en première ligne. 1,5 million ont été tués. 2-3 millions sont rentrés soit gazés, incapables de travailler pendant tout le reste de la vie, soit avec des gueules cassées, soit avec des troubles psychiques qu'on ne savait pas diagnostiquer. Donc, ils étaient invivables. Ils étaient malheureux, ils explosaient de colère. Donc, la fin de la guerre de 14 a été suivie d'une explosion de divorce, parce que les femmes, pendant 4 ans, avaient tout fait marcher, pendant que les hommes se faisaient matraquer dans la boue. Et quand ils revenaient, on ne pouvait pas vivre avec des hommes qui avaient des syndromes psychotraumatiques. On ne savait ni diagnostiquer, ni soigner. Il s'est passé la même chose avec les vétérans du Vietnam. Mais là, il y avait des psychologues qui ont dit il ne faut pas les mettre ces hommes en prison, il faut les soigner, les aider. Et ça, c'est une chanteuse qui a provoqué ce renversement épistémologique. Hein. John Baez. Oui. C'est elle qui a provoqué ce renversement, qui a provoqué des mouvements de foule. Mais en 14-18, on ne savait pas le faire. Donc, alors, les femmes étaient entravées, c'est clair, mais les hommes, au nom de la domination, étaient torturés au travail et à la guerre. Et du coup, ça a provoqué une surcote des garçons. Pendant très longtemps, il fallait mettre... Le sexe avait pour fonction sacrée de mettre au monde une âme pour adorer Dieu. Ça renforçait la religion. Et si on parle français au Québec aujourd'hui, c'est parce que les prêtres
rentrer dans les maisons pour surveiller les ventres des femmes, comme chez Ochescu en Roumanie. Donc, merci les prêtres, c'est pour ça qu'on parle français à Montréal. Je m'en doutais pas. Et ensuite, il y avait le sexe a une fonction d'abord sacrée, puis il a une fonction sociale, mettre au monde un garçon, de préférence à une fille, pour faire la guerre et pour travailler 15 heures par jour. Donc la domination, je suis pas sûr que c'était une bonne affaire. Pour les femmes, c'est clair, c'était pas une bonne affaire, mais même pour les hommes. Parce que j'ai connu l'époque, j'ai connu deux guerres, la guerre de 40, que j'ai subie en grande partie à Bordeaux, et la guerre d'Algérie. Mon témoignage, c'est que on responsabilisait les petits garçons extrêmement tôt. Tu devras travailler, accepter n'importe quel métier, parce que tu auras une famille à nourrir, tu seras chef de famille, mais tu seras jamais dans ta famille. Tu seras chef de famille, mais c'est ta femme qui va tout gouverner. Et donc, et les féministes ont mis à mort le chef de famille en 1974 en parlant désormais de la responsabilité parentale et non plus la responsabilité paternelle. Et maintenant, ce que je viens de dire, depuis deux générations en Occident, depuis deux générations, ce que je viens de dire n'a plus de sens. Ça ne veut plus rien dire pour les jeunes. Donc, ça veut dire, c'est une immense révolution culturelle qui est en train de se préparer. Et là, on voit que les femmes sont en train de changer physiquement, moralement, intellectuellement et socialement. C'est que la civilisation qu'on a fabriquée fabrique beaucoup de leurres endocriniens. Déjà dans un pays où il n'y a pas trop d'industrie, les filles ont une avance neuropsychologique très nette sur les garçons. Et dans notre culture, où les leurres endocriniens, c'est des leurres femelles, c'est des substances qui ressemblent aux hormones femelles et qui stimulent les ovaires des filles. Maintenant, il y a de plus en plus de petites filles qui sont réglées à 8 ans. Donc, elles ont une maturation neuropsychologique accélérée, alors que les garçons, c'est leurres endocriniens, freinent leur puberté. Ils étaient déjà un peu en retard avant. Et alors, avec l'industrie alimentaire moderne, ils sont encore plus en retard aujourd'hui. Ce qui fait que quand on arrive au moment où on prend sa trajectoire, on va dire le bac, pour faire un schéma, les filles ont terminé leur fatigue de croissance. Ce sont des jeunes femmes équilibrées qui savent gouverner leur vie. J'aime ça, je veux pas ça, je veux vivre comme ça, mais pas comme ça. Donc, elles savent, elles travaillent bien parce qu'elles ont à l'école, elles sont meilleures que les garçons. Elles ont 2 ou 3 ans d'avance. Et les garçons, à l'âge de 18 ans, ils commencent leur puberté après. Ils sont en pleine fatigue de croissance. Et comme on le disait tout à l'heure, l'imaginaire d'un garçon de 18 ans, c'est pas du tout l'imaginaire d'une fille de 18 ans. L'imaginaire d'un garçon de 18 ans ne s'intéresse qu'aux choses importantes, le football et la drague. Vous êtes d'accord? Ça dure. Ça dure. Donc ça veut dire que ces rôles socio-sexués qui étaient nécessaires et abusifs avant, pourquoi est-ce que les hommes étaient chefs de famille alors qu'ils connaissaient rien à la famille, et c'était pourtant eux qui devaient décider. Donc c'était nécessaire pour les envoyer à la mine ou à la guerre, et c'était abusif, parce que c'est les femmes qui faisaient le travail réel. Or, il y a eu beaucoup de cultures où les garçons n'étaient formés que pour la guerre. Après la guerre, un petit garçon, quand j'ai pas été à l'école, mais j'ai été au lycée, on nous disait, on avait 11, 12 ans, 13 ans. On nous disait, un garçon ne traversera pas la vie sans connaître une ou deux guerres et quelques bagarres de rue. Vous devez vous préparer. On valorisait la violence virile, disait-on, alors qu'aujourd'hui, quand un homme est violent, les hommes sont plus violents que les femmes. Que ce soit pour la violence domestique, que ce soit pour la délinquance, il y a plein d'hypothèses, mais j'ai pas de certitude, mais il y a plein d'hypothèses. Les hommes sont plus violents que les femmes. La violence était utilisée pour fabriquer du social, faire la guerre, descendre à la mine, alors qu'aujourd'hui, quand un homme est violent, les femmes peuvent l'être aussi, mais beaucoup moins que les hommes. Quand un homme est violent, on appelle le SAMU, le secteur psychiatrique, les pompiers, la police, et les lois. Parce qu'on combat la violence masculine maintenant avec des lois, alors qu'avant, on encourageait la violence masculine. Du coup, cet homme, il n'est pas un peu perdu dans le nouveau paradigme
Juste pour nos auditeurs, les leurres endocriniens, c'est bien les choses qui sont des additifs alimentaires, c'est ça, oui, qui vont perturber artificiellement les évolutions. Il les perturbe, c'est l'artifice qui les perturbe pour de bon. C'est-à-dire que une fois que la petite fille est stimulée par un leurre endocrinien, elle fabrique des hormones féminines. C'est pour ça qu'elle a des pubertés précoces et c'est pour ça que son corps devient un corps de femme alors qu'elle a 10, 11, 12 ans. C'est une précision parce que on n'est pas sûr que tout le monde leurre endocrinien, mais c'est artificiel, c'est le monde extérieur qui introduit ces changements physiques et psychologiques du coup des personnes. Oui, c'était, je revenais sur cet homme que vous décrivez comme du coup avant qui avait une qui était héroïsé par tout l'imaginaire dans lequel on l'envoyait, la valorisation de cette violence, la canalisation de cette violence dans un rôle de héros, que ce soit un rôle militaire, ouvrier, mineur, n'importe quel rôle qu'on leur confiait. Non, vous dites, c'est plus du tout valorisé. Non. Son rôle dans la famille a aussi été remis en cause. Il doit se trouver son propre rôle. Il en est où l'homme ? Parce qu'on parle beaucoup des femmes, des avancées qu'elles font, et j'ai l'impression qu'aussi on oublie aussi cet homme qui du coup avait des certitudes qu'il n'a plus, et comment il se positionne dans un milieu, dans une écologie globale dans laquelle c'est plus incertain pour lui. Alors l'homme est contraint d'évoluer, c'est-à-dire que maintenant on peut plus mettre comme à l'époque napoléonienne, on peut plus mettre un caleçon moulant pour bien montrer ses génitoires. Ça se fait beaucoup moins maintenant. Il y a des cultures, où il y a des étuis péniens. En Papouasie, pour les jours de semaine, il y a un étui pénien tout droit. Le dimanche, il y a un étui pénien tire-bouchonné. Ça n'a plus en France, ça se fait un peu moins. Mais ça veut dire que puisque les femmes changent, les valeurs, l'éthos, la hiérarchie des valeurs change. Être un homme violent, c'est plus une valeur du tout. La violence, qui était une valeur adaptative et évolutive il y a quelques générations encore, ce que j'ai connu, n'est que destruction aujourd'hui. Et l'éthos changeant, la condition, les rôles sexuels changent. Ils sont plus de plus comme c'est maintenant. La nouvelle aristocratie se fait par le diplôme. C'est-à-dire qu'avant, la première aristocratie, c'était la force physique. C'était celui, rarement celle, celui qui était capable de se servir de ses poings, d'acheter une arme au forgeron pour prendre le pouvoir par la violence, par la force. Ça se fait encore aujourd'hui. La Russie s'est emparée de terres, la Turquie s'est emparée de terres, et personne n'a protesté, parce que dans notre culture, on ne comprend pas que cette relation d'appropriation... Ça a déclenché des guerres, la guerre de 14-18, la guerre de 39-40, l'invasion de la Pologne. Ça a déclenché des guerres. Aujourd'hui, on laisse des dictatures, ou en tout cas des régimes autoritaires, s'emparer d'un tiers de la Crète, personne proteste, de massacrer les Kurdes, personne proteste, de s'emparer d'une partie de l'Ukraine, personne proteste, alors qu'il y a 2-3 générations, ça a déclenché des guerres mondiales. Alors, c'est peut-être un progrès, mais ça veut dire que les valeurs sont pas les mêmes. Ça veut dire aussi que peut-être, face à un régime autoritaire, peut-être qu'on est vulnérable. Donc, ça peut encore changer. Mais actuellement, les hommes sont contraints à évoluer. L'héroïsation ne se fera plus par la violence ou par la guerre. Elle va se faire par d'autres valeurs. Donc, la hiérarchie des valeurs change. Et on voit que beaucoup d'hommes dans les pays d'Europe du Nord... Au Québec, où j'ai travaillé, dans les pays d'Europe du Nord, les hommes sont très heureux de leur nouvelle position. C'est-à-dire que ils ont enfin, eux qui étaient chefs de famille, n'étaient jamais dans leur famille, et maintenant ils sont plus chefs de famille, et ils établissent des relations affectives avec leurs enfants, c'est nouveau, avec leur femme, qui est très contente d'avoir un associé pour s'occuper de la famille et pour participer à l'aventure sociale. C'est vraiment une nouvelle condition du couple qui perd sa valeur. Le couple, avant le mariage, c'était la structure sociale. Maintenant, on demandait la permission d'avoir des relations sexuelles aux prêtres et à la mairie. Alors que vous qui avez travaillé à la... on vous a demandé la permission d'avoir des relations sexuelles beaucoup moins maintenant. Donc ça veut dire que
les valeurs, l'éthos, la hiérarchie des valeurs change complètement. C'est une vraie révolution culturelle qu'on est en train de connaître. C'est un énorme progrès pour les femmes à coup sûr, pour les hommes aussi. Il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Qu'est-ce qu'on va payer? Quel va être le prix de ce progrès? Il faudra qu'on se donne rendez-vous dans deux générations pour en parler. Alors, ce sera avec grand plaisir. Vous dites aussi, alors je me félicite que ce soit un progrès, j'attends les effets secondaires. Vous dites par contre qu'il y a quand même des facteurs contemporains qui sont de notre milieu, qui sont en train d'évoluer, qui affectent structurellement la façon dont on doit s'adapter. Vous en avez cité trois principaux, c'est la surpopulation, qui change la géographie et la façon dont on vit le monde, la dilution affective et la perte de sens. Oui. Et vous dites que ces trois facteurs sont, alors il y en a évidemment, j'imagine, toute une ribambelle derrière, mais qui sont ceux-là sont très structurants, oui, sur les évolutions qui sont à l'œuvre en ce moment et sur l'adaptation de notre être, l'âme, le corps, le tout mélangé, comment on s'adapte et comment on se reconfigure, resculpte par rapport à ces trois facteurs. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait de ces trois facteurs? Alors, quand je traînais dans les milieux d'éthologie animale, il y avait des expérimentations, il y avait des observations naturelles et des expérimentations qui permettaient de parler d'hyper-surpopulation et qui permettaient de doser que les animaux en surpopulation étaient constamment en stress, au point même que parfois ils faisaient des hémorragies surrénales, des glandes surrénales qui saignaient, et ces animaux sains mouraient de surpopulation. Et pendant mes premiers livres, j'employais le mot surpopulation, puisque je l'avais appris en éthologie animale. Et je crois qu'il n'est pas bien applicable à la condition humaine. Il n'y a pas de surpopulation humaine sur la planète, mais il y a des zones de surdensité. C'est-à-dire que, quand je suis arrivé au monde, en 1937, il y avait deux mégapoles. Aujourd'hui, il y a 28 mégapoles. Tokyo, 44 millions d'habitants. Mexico, 28 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment... J'ai travaillé dans ces deux mégapoles. C'est impressionnant de voir le sprint des Japonais le matin. Alors, ils ont des tapis roulants. Ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont cultivés, ils sont courageux. C'est un plaisir de travailler au Japon. Ils sont tout le temps au sprint. Et le résultat, c'est qu'il y a un nombre de dépressions faramineux. Les garçons sont après décrochent de la société, ils décrochent de la sexualité. Ils préfèrent rester seuls plutôt que s'engager. Avoir des relations sexuelles, c'est un engagement. Ça les angoisse, ils préfèrent rester seuls, ils s'isolent avec des écrans pour se distraire, ils sortent plus. Les filles se développent très bien, elles sont meilleures élèves, comme partout, y compris dans les pays musulmans, elles sont meilleures élèves. Mais au Japon, elles obtiennent des postes de responsabilité, elles sprintent comme tout le monde. Le résultat, c'est que dans les pays asiatiques, Chine, Japon, Corée, il n'y a jamais eu autant de suicides féminins. Alors, voilà un effet secondaire des progrès incontestables. Le deuxième marqueur, c'est la dilution affective. On a calculé à l'université de Mons, en Belgique, où j'enseigne encore, on a calculé que un adolescent aujourd'hui aura 6 à 8 métiers avant sa retraite et 3 ou 4 couples avec des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-on faire pour s'attacher? L'attachement, qui est une théorie la plus enseignée actuellement sur la planète, hein, les théories de l'attachement, à la fois biologie, psychanalyse et sociologie, eh bien, l'attachement montre qu'il faut une durée pour s'adapter, pour s'attacher. Il faut apprendre, il faut s'imprégner de l'autre. Comment va-t-on faire pour s'imprégner de l'autre si maman a un troisième mari ou quatrième mari que je connais pas, alors que j'ai connu le troisième mari pendant 2 ans, j'ai pas eu le temps de m'y attacher. Donc on voit que les liens affectifs se diluent. Et le résultat, c'est que la sexualité n'est plus inhibée comme avant. L'attachement, ça inhibe. J'ai de l'estime pour cette femme, je ne peux pas tout me permettre. Je suis attaché, je la désire sexuellement,
je ne peux pas lui demander n'importe comment, je ne peux pas tout me permettre. Parce que justement, l'empathie que j'ai pour elle, je me représente ce qui se passe dans son monde mental, et comme je suis attaché, c'est une valeur pour moi de ne pas la brutaliser. Qu'est-ce qui se passe actuellement? De plus en plus de garçons bousculent les filles, passent à l'acte de manière pas sous tout le temps désagréable et parfois même fortement répréhensible. Quand j'étais gamin, j'étais au lycée Jacques Decour à Paris, qui était un lycée de prolo, et à côté, il y avait le lycée Jules Ferry. Alors quand on allait courtiser les filles, parce que ça reste quand même une valeur importante, ça, universelle, et quand on allait courtiser les filles, on se coiffait. Quand on avait les moyens de se coiffer, on se coiffait, on s'habillait, on lui serrait la main. Alors peut-être que ça, elle était un peu déçue, mais au moins on avait des rituels de correction qui étaient très nets. Et aujourd'hui, quand je les vois, ils se bousculent avec une violence, une brutalité, avec une très grande brutalité. Et puis surtout, ce qu'on voit, les phénomènes qui se passent actuellement au point de vue circuitage sexuel. Une fille voit, elle arrive au monde et elle voit que sa mère a un premier beau-père. Elle s'y attache. Le premier beau-père peut pas tout se permettre. Le deuxième beau-père, c'est un troisième père. Le quatrième père, il est encore moins beau-père. C'est un homme. Et moi, fille, j'ai connu mon quatrième ou troisième beau-père quand j'avais 16 ans, 17 ans. J'étais une femme. Où est l'inhibition affective qui interdit l'inceste? Elle y est plus. Elle est plus là. Donc on est en train de voir une explosion, une déritualisation de la sexualité. Alors que vous m'avez invité à dire tout à l'heure qu'avant il y avait des rituels un peu trop stricts et un peu trop verrouillés, et ben maintenant peut-être qu'on manque de rituels. Et le troisième facteur, c'est le sens. Et notre société a perdu la boussole, notre civilisation a perdu la boussole. Pour donner sens aux choses, aux événements, il faut savoir d'où on vient, qui on est et où on rêve d'aller. Je suis un gosse de pauvre, je sais que je peux gagner ma dignité en étant manuel ou en faisant des études pour avoir un diplôme. Et le sens qu'on donne aux choses, le sens qu'on donne aux événements, modifie la manière dont on les ressent. Si je vis dans l'instant, pourquoi voulez-vous que je passe ma soirée à travailler alors qu'il y a un bon film à la télé ? Pourquoi voulez-vous que je passe mon dimanche à répéter des trucs absurdes qu'on appelle les études universitaires alors qu'il y a un match de football? Si je vis dans l'instant, ça n'a pas de sens. Je vais voir mon match de football. Si mon effort, qui est un sacrifice, qui est un renoncement au plaisir immédiat, si dans ma tête j'ai un effort, si je suis reçu à cet examen, je pourrais faire ce métier dont je rêve. Ma souffrance a un sens. J'accepte de ne pas voir un match de football. J'accepte de renoncer à mon plaisir immédiat parce que plus tard, j'aurai un métier, une manière de vivre qui me plaira. Et donc, je métamorphose l'épreuve que je m'inflige pour plus tard réaliser un rêve. Si on ne fait pas ça, si je ne sais pas d'où je viens, si je viens de 3-4 beaux-pères, de plusieurs mères, si j'ai un frère, un demi-frère, un tiers de frère, un quart de frère. J'ai plus de structure de parenté. C'est pas structuré. Donc je donne moins sens aux événements. Donc je me soumets à l'immédiat. Je passe à l'acte sexuel. Je passe à l'acte de la consommation, l'alcool, la drogue. J'ai des plaisirs immédiats puisque je ne suis plus capable de donner sens à mes efforts quotidiens. Je dis ça juste pour vous remonter le moral. Hein. Mais ça va très bien. Ça va très bien. D'ailleurs, vous insistez, c'était en filigrane de votre dernière intervention, vous insistez aussi sur le côté sécurisant du départ qui a une influence quasi déterministe sur la trajectoire que l'individu va se créer. Et quand on parle de contexte sécurisant, c'est contexte sécurisant depuis la phase fœtale, jusqu'aux premières années, jusqu'à, j'imagine, la puberté, jusqu'à ce que... Jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans.
Après, c'est plus difficile. On a peu de statistiques, en tout cas. Et du coup, alors, une dernière question, parce qu'on arrive au bout du temps qui était le nôtre. Une dernière question. J'ai dit déterminisme. C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit comme ça, en toile de fond, quand je lisais votre ouvrage. C'était, est-ce qu'à un moment donné, on reste libre, ou est-ce que, justement, toutes ces influences du milieu qui sont très prégnantes et dont vous décortiquez un certain nombre de mécanismes avec bah, toutes les preuves qui vont bien pour voilà. Est-ce que du coup on a quand même une liberté, ou est-ce que, parce que vous dites par exemple les filles de familles pauvres vont être plus petites, est-ce qu'on reste dans un déterminisme statistique, ou est-ce que l'individu garde encore une espèce de liberté dans ce monde prédéterminé par l'écologie du milieu? Alors il y a 1000 déterminismes. Le seul déterminisme auquel on peut pas échapper, c'est XX ou XY, c'est-à-dire le déterminisme des chromosomes, l'agencement des chromosomes. Dès que les cellules commencent à se diviser, le milieu tutorise des développements différents. Et là, on peut agir. Là, on a un degré de liberté et donc de responsabilité. D'où l'importance des décideurs politiques. Parce que on sait maintenant que une femme sécurisée, enceinte, va devenir sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Je le dis en termes de tous les jours, mais on l'a observé scientifiquement et on l'a dosé. On dose des substances du stress. À Bordeaux, d'ailleurs, Anne-Laure Sutter a dosé le cortisol et les catécholamines dans le sang, et son mari, qui est prof d'obstétrique, a dosé le cortisol et dans le liquide amniotique d'une femme enceinte. C'est parallèle. C'est-à-dire que quand la mère est stressée par son mari, la violence conjugale, ou par l'absence de mari ou de deuxième parent, ou par la guerre, ou par la précarité, ou par un malheur de la vie, quand la mère est stressée, elle devient stressante pour le bébé qu'elle porte. Donc, mais liberté, ayant compris ça, si on fait en sorte, la famille, le mari, la famille, la culture, fait en sorte de sécuriser la mère, en 24-48 heures, le bébé déclenche un processus de résilience, c'est-à-dire de reconstruction de ses neurones. On a la liberté, les décideurs politiques ont la liberté de décider, on laisse tomber les femmes enceintes, ou au contraire, on les entoure avec la famille. Là, c'est pas, les politiciens peuvent encourager des politiques familiales ou les décourager. On peut très bien protéger une femme enceinte, ou au contraire qu'elle se débrouille. Donc, surtout que les femmes aujourd'hui mettent leur bébé au monde, elles ont presque 31 ans, c'est-à-dire c'est l'âge, le maximum de fécondabilité c'est 25 ans. Et à 31 ans, il faut médicaliser, ce qui change les rapports dans la famille. Parce que quand une femme met au monde son bébé à 31 ans, quand il a les inévitables bobos de la petite enfance, elle téléphone au pédiatre. Elle demande plus conseil à son mari ou à sa grand-mère ou à la grand-mère. On a technicisé les relations, désaffectivé les relations dans la famille. Et puis, on constate aussi que quand un enfant vit dans une niche sensorielle, dans la deuxième pelure de l'oignon dont on parlait tout à l'heure, les bras de la mère avec le père ou le deuxième parent, quand l'enfant vit dans une niche sensorielle, gai, bavarde, parlant, s'adressant au bébé, parlant entre adultes, ce bébé-là rentre à la maternelle à 3 ans avec un stock de 1000 mots. Quand on fait une population de bébés qui vivent dans une niche sensorielle pauvre, parce que le mari est violent, parce qu'il est mort, parce qu'il est malade, parce que la mère déprime, parce que, etc., et les femmes enceintes dépriment de plus en plus. Quand la niche sensorielle est pauvre, ce bébé sain rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont être bons élèves. Or, maintenant, la nouvelle hiérarchie sociale se fait par le diplôme. Vous avez maintenant un top d'adolescents éblouissants qui font des études, qui sont sympas, qui court le monde, qui parle bien, qui lisent à toute allure, qui parlent anglais sans accent. Je les déteste. Ils ont tout pour eux. Et vous avez ce top extraordinaire, et vous avez toute une autre partie de la population larguée. Pas de parole, pas de lecture, pas d'art,
pas de diplôme, métier difficile, mal payé, instable, gilet jaune. Revendication qu'on peut comprendre, méthode qu'on peut discuter, mais on a une société clivée. Un top où ces gosses n'ont rien volé, ils ont travaillé, ils ont stressé, mais ils étaient les seuls à avoir les conditions qui leur permettaient de ne pas d'acquérir ce diplôme. Ils l'ont pas volé. Les autres n'ont même pas la possibilité de tenter la chance. Quand j'étais étudiant en médecine, c'était dans les années 50-60, hein, il y avait 12% d'enfants de pauvres qui faisaient médecine. Vous savez combien il y en a aujourd'hui ? 1%. 1%. Vous montrez également que les enfants adoptés dans un foyer sécurisant rattrapent le niveau d'attente d'un enfant naturel de ce même couple. Et du coup, c'est pas une question génétique, c'est une question du milieu qui permet l'épanouissement de l'enfant, quel que soit son capital de départ, enfin, en tout cas, sa composition génétique de départ. Voilà, exactement. Un enfant, la plupart des enfants arrivent au monde, ils sont sains, mais leur capital génétique, ils vont le placer plus ou moins bien selon le milieu. Alors, écoutez, ce sera le mot de la fin. Boris Cyrulnik, je vous remercie. Je rappelle à tout le monde le nom de votre ouvrage, « Des âmes et des saisons, psychoécologie ». Alors, on a balayé quelques-uns des thèmes. C'est beaucoup plus détaillé et riche que ce qu'on a pu avoir. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire un grand tour d'horizon. Je vous remercie beaucoup de ce temps que vous nous avez consacré. C'est un plaisir. Vous avez été un très bon intervieweur. Merci. Merci. Merci beaucoup.